est une place de prière, de téléchargement des connaissances divines, et une place où on vient connaître les plans et les agendas de Dieu. C'est une place de louange, c'est une place de partage, et comme je l'ai dit, c'est une place de communion fraternelle. Nous sommes pour Dieu des amis. Donc, on vient au temple, non pas pour chercher les choses de Dieu, mais pour rencontrer un ami. Et cet ami s'appelle Dieu. Le temple est établi pour nous rappeler de cette relation qui existe entre Dieu et l'homme. Je lance cet appel à tout le monde de reconnaître ce que le Seigneur est en train de faire dans la francophonie à travers le Congo-Brazzaville. Et si Dieu a décidé de faire ceci au Congo-Brazzaville, c'est déjà un signe que quelque chose de nouveau a commencé. Quand Dieu s'érige un temple, c'est parce qu'il veut commencer à faire des choses qui demeurent. Vous voyez, le peuple d'Israël était en train de passer, une histoire s'est bâtissée, mais à un moment Dieu dit, ok, on est arrivé, c'est ici que je veux faire des choses qui restent jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, quand on va visiter le peuple d'Israël, on ne va pas en Égypte, on va à Jérusalem, là où ils sont arrivés, là, c'est là que le monde entier va, là où Dieu a établi son temple. Mais pourtant, il s'est fait des grandes choses dans l'histoire d'Israël en Égypte, mais on va tous à Jérusalem parce que c'est là que se trouve le temple. Moi, je pense que mon grand message au peuple congolais, c'est que si Dieu a fait bâtir ce temple, c'est qu'il veut faire des choses qui demeurent. Et ce serait une bonne chose d'entrer dans cette vision, d'entrer dans cette vague que le Seigneur est en train de commencer. Oui, sincèrement, moi, quand je voyais tout ce qui se passait, je disais, oh Seigneur, fallait que je voie pour... C'est pas que je ne croyais pas, mais il fallait que je voie pour booster, au fait, ma foi. J'aimerais simplement bénir le Seigneur et inviter vraiment tout un chacun, chaque personne qui m'entend, qui me regarde, de simplement pouvoir se dire qu'il y a... C'est vrai, quelqu'un va dire Dieu est partout, mais en réalité, Dieu siège là où il y a effectivement une atmosphère de louange. Il siège au milieu de la louange et je pense que véritablement le palais de gloire, ne serait-ce que par son nom, indique que c'est là où siègent les louanges. Et c'est là où il faut venir, c'est là où il faut être, c'est là où véritablement la présence de Dieu, même pendant le temps d'adoration tout à l'heure, c'était juste comme si le temps s'est arrêté et que Dieu était juste en train, était présent. C'était magnifique. Donc je pense que ce n'est que le commencement de ce que chacun, chaque personne qui viendra ici et le peuple congolais va expérimenter. Et je suis convaincue que ça quittera les bâtiments et que ça va se répandre dans tout le pays par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Alors pour venir rebondir sur ce qu'a dit mon épouse Abinadine, vraiment je veux encourager tout le peuple congolais par une phrase qui m'a été donnée en disant « Prends Dieu au sérieux et il te prendra au sérieux ». Ce qui s'est passé ici démontre que si tu prends Dieu au sérieux, il va te prendre au sérieux. Quelqu'un avait dit quelque chose peut-il sortir de bon de Nazareth? Quelqu'un aurait pu penser quelque chose peut-il sortir de bon de Brazzaville? Eh bien oui. Et c'est d'emmener vraiment chacun d'entre nous à prendre Dieu au sérieux, comme l'a dit le pasteur Yvan tout à l'heure, à aimer Dieu, à démontrer son amour, à démontrer son honneur pour Dieu et être prêt à sacrifier, pour le Seigneur. Et un mot pour la jeunesse congolaise, en se disant, il est temps maintenant de viser loin. En fait, viser loin, c'est viser Christ simplement. Garder le cap, C-A-P, garder le Christ au pouvoir. Et faites en sorte de rester attaché à lui afin qu'au travers de vous, cet édifice soit pour vous un palier en dessous duquel vous ne descendrez pas. C'est-à-dire de se dire qu'avec Dieu, c'est véritablement possible. Là, on disait que c'est impossible, il n'y a pas de possibilité. Avec Dieu, tout est possible. Si on le prend au sérieux, qu'on honore le Saint-Esprit, il fera de votre vie, à vous les jeunes qui écoutez, de votre vie, une véritable bénédiction. Et demain, la génération qui vient, vous, la génération qui vous suivra, on dira, waouh, Dieu est véritablement passé par là. Et le Congo, c'est là où Dieu règne.